Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Nous sommes très heureux avec le directeur général, le nouveau directeur général Jean-Pierre Levaillé de notre Banque Populaire Aquitaine-Centre-Atlantique de vous accueillir dans ce siège dont je crois le panorama être toujours apprécié, donc n'hésitez pas à en profiter. Vous le savez, notre établissement, la Banque Populaire, est à l'origine de ce prix avec nos amis du groupe Sud-Ouest. Je salue la présence d'Olivier Gérolami, son président, est à l'origine de la création de ce prix il y a de longues années. C'était à l'époque l'Aquitaine de l'année et évidemment avec la nouvelle région, nous l'avons rebaptisé Néo-Aquitain. Et nous sommes ravis sur cette opération d'avoir été d'ailleurs rejoints par d'autres partenaires. Bien évidemment, le Conseil régional. Nous accueillerons dans un petit moment le président Alain Rousset qui nous fera l'honneur de sa présence, mais également Pouey International et Kedge Business School qui participent à l'élaboration de cette manifestation. Je salue aussi la présence de la quasi-totalité des présidents ou des représentants des chambres de commerce territoriales, des chambres des métiers de l'artisanat, mais également la présence exceptionnelle pour cette soirée du président Clédel, de mon ami Jean-François, de la chambre régionale qui parraine particulièrement cette manifestation. Vous le savez, notre établissement, les banques populaires en général, sont très proches du monde des entreprises, du monde du commerce, du monde de l'artisanat. Et évidemment, il y avait une justification absolue à ce que depuis des années, nous soyons présents sur cette manifestation. C'est effectivement la soirée du monde économique et celle de toute la région, puisque, effectivement, je l'ai dit, nous sommes associés avec le Conseil régional, mais également parce que notre établissement, depuis quelques années maintenant, une fusion qui a eu lieu en 2011, couvre la quasi-totalité de cette région à quelques circonscriptions près. Et évidemment, nous sommes heureux d'être associés à tout ce développement et tout le travail qui est fait par le monde économique dans cette grande région. C'est particulièrement illustré ce soir par la présence des 12 lauréats de ce prix. Vous savez qu'il se décline en deux étapes. Ce soir, c'est le Grand Prix, mais ça a été précédé par une étape départementale. Et les 12 très belles entreprises qui vont se présenter à vous tout à l'heure vont évidemment concourir pour le prix final. Et nous sommes heureux également de les accueillir ce soir. Alors, il me reste à saluer également Stéphane Lull, le dirigeant de Epsilon, qui est présent quelque part par là. Enfin, il va venir dans un petit moment. C'était le lauréat précédent de l'année précédente. Et évidemment, nous sommes impatients de savoir quel sera le futur lauréat. Et pour ce faire, je déclare ouverte cette cérémonie officielle du prix de l'économie de la Nouvelle-Aquitaine. Passez une bonne soirée. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci Président, merci de votre accueil. Je confirme, nous sommes toujours ravis, Sandrine Redon, qui elle a la chance de travailler tous les jours dans ce magnifique bâtiment, d'apprécier cette vue sur Bordeaux, mais on apprécie surtout la vue sur cette salle qui est ce soir très joliment garnie. Beaucoup de monde, merci d'être ici très nombreux. Et puis surtout, je crois qu'on peut déjà applaudir évidemment Bernard Dupouy et tous les lauréats. Aucun des 12 lauréats départementaux ne se fait représenter. Ils sont tous venus personnellement ce soir. C'est notre première victoire avec BPAK et pour Sud-Ouest ce soir. Oui, tout à fait. On a 12 belles entreprises qui sont représentées, puisque c'est, comme l'a dit tout à l'heure Bernard Dupouy, c'est la soirée de l'économie en Nouvelle-Aquitaine, puisque c'est la soirée qui regroupe tous les trophées départementaux qui peuvent être organisés, qui sont en général portés par chaque média qui sont portés sur le territoire. Et je souhaitais souligner donc la présence de la Nouvelle République pour les Deux-Sèvres et la Vienne, le groupe Centre France avec le Populaire du Centre pour l'Aix-Limousin, la Charente Libre pour la Charente, et puis bien sûr Sud-Ouest qu'on ne peut pas oublier puisqu'on est ensemble sur ce projet. Merci de ne pas nous oublier Sandrine, c'est sympa. Je vous propose qu'on cite tout de suite nos 12 lauréats. Pour certains, vous les connaissez bien puisque je reconnais certaines personnes ici qu'on a vues au fil de nos soirées départementales, et je rejoins Sandrine sur la joie qu'on a effectivement depuis 3 ans à pouvoir associer nos confrères qui sont au premier rang, les rédacteurs en chef. Je salue d'ailleurs aussi la présence du rédacteur en chef de Sud-Ouest, Jean-Pierre Dorian, que j'ai aperçu tout à l'heure et qui est là avec Christophe Galichon, notre directeur des opérations et directeur de la rédaction. C'est vous dire si les journaux, même si ce n'est pas le même groupe, ont
envie de travailler ensemble sur cette nouvelle Aquitaine. Et on va donc pouvoir avoir, et on va les citer tout de suite, nos 12 candidats ce soir. Alors, on vous demande bien sûr de les applaudir. Hein, ils en ont bien besoin. Ils en ont bien besoin parce qu'ils vont avoir un travail exigeant à faire pour se présenter devant vous tout à l'heure. Ils ont 2 minutes chacun, on vous le rappellera. Et on va déjà applaudir, ils nous viennent des Deux-Sèvres. C'est la SA Martin Emballage, Jean-Luc Ballet. Pour les Landes, Mecadac Group avec Julien Dubec. Pour la Creuse, Xavier Lecomte. Ils sont 12, hein, vous pouvez y aller. Hein. Il y a Olivier Goupil, pas du tout. C'est Olivier Pelletier pour Goupil Industries. Il représente le Lot-et-Garonne. Et alors là, on va frapper un petit peu plus fort dans nos mains parce que c'est la seule femme ce soir. Et je sais que Sandrine et beaucoup de femmes, chefs d'entreprise, le regrettent. Mais malgré tout le travail qu'on fait avec le travail de présélection, on a Jeannette Guinaudeau qui vient de La Rochelle, qui va pitcher ce soir. Elle sera suivie de Stéphane Gilbert Delacour. Il représente la Haute-Vienne avec Aquacé. Pour la Dordogne, mais il aurait pu être présent sur d'autres départements, dont son groupe SM, mais le siège historique est en Dordogne, Olivier Failly, Berkem. Il nous vient du sud de la Vienne, c'est Patrick Grandjean, il représente l'entreprise Adial. Il joue à domicile, et pourtant ils sont deux, ces deux frères, inutile de présenter, si je vous dis les frères Sarah, Eric et Michel, le groupe GT. On va en Charente, et c'est Julien Badre pour la société Starpack. Une entreprise très innovante, il nous a fait rêver lors de la soirée de présentation, Fabrice Marsalex, il vient de la Corrèze, et la société CMTech, EAC, ils sont venus en nombre. Et on termine cette belle sélection par les Pyrénées-Atlantiques, c'est Socoa, ils sont représentés et ils viendront à deux sur scène tout à l'heure. C'est Jean-Michel Béra et Timothée Acherito-Garaille. Ils sont donc 12, ils viendront pitcher à 13. Vous verrez, il y en a deux qui sont inséparables, donc c'est le cas. Je voudrais qu'on revienne sur le fait qu'on a une femme ce soir, Sandrine. C'était une volonté affichée par Sud-Ouest, Banque Populaire et aussi par les journaux associés des départements voisins. On le doit évidemment au travail d'une association à qui vous vouliez dresser un petit coup de chapeau. Voilà, on s'était mis le défi l'année dernière de féminiser évidemment les nominés. Alors on a Jeannette Guinaudeau qui représente une femme chef d'entreprise, donc c'est... C'est un travail de longue haleine et je compte sur vous pour penser dès maintenant à nous aider à trouver d'autres femmes chefs d'entreprise brillantes. En fait, c'est un travail que nous avons mené avec les étudiants de Ketch pour avoir une sélection aussi, un petit peu de regarder les parcours, ce qui fait que dans les trophées départementaux, eh bien, il y a de nombreuses femmes qui ont pu être lauréates. Et puis maintenant, il faut qu'elles arrivent à représenter leur département. Et puis, effectivement, nous sommes rapprochés de Femmes Chefs d'Entreprise, qui est une association qui a plus de 60 ans et qui représente vraiment ce périmètre. Et c'est Cécile Despont qui doit être par ici ce soir, qui nous a aussi aidés dans la sélection et avec qui on va travailler l'année prochaine. Mais je compte sur vous tout à l'heure si vous souhaitez nous aider pour les éditions futures. Et Cécile Despont est en train de développer cette association. Je sais qu'elle met des personnes en place, justement, pour l'instant, en Charente-Maritime. On peut applaudir toutes ces femmes qui s'investissent dans le monde de l'entreprise. Toutes ces soirées, on les fait, bien sûr, on vous l'a dit tout à l'heure, avec les étudiants de Cage, avec les médias pour faire de la sélection, mais il y a également les chambres de commerce. Tout à fait. Les 12 élus, ils ont été la plupart du temps aidés et supportés par les chambres de commerce départementales. Ce soir, il y aura en revanche qu'un vainqueur. Ce vainqueur, il ne sort pas d'un chapeau. Je vous assure que c'est un vrai bon travail d'un jury. 12 élus pour évidemment un seul lauréat ce soir. Le jury s'est réuni le 19 décembre. On a absolument pu taire jusqu'à maintenant le nom du vainqueur. Vous le saurez tout à l'heure. Tout ça grâce au travail qu'a fait notre président de jury cette année. C'est Nicolas Béraud. Je vous demande de l'accueillir sous applaudissements. C'est le créateur de Betclic. Il installe en ce moment à Bordeaux le siège de son entreprise. Il dira mieux que moi. Il va répondre à l'interview de Sandrine. Il y a déjà 200 emplois de créés sur le bassin à flot. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir. Bonsoir, Nicolas. Alors, avant de nous parler de votre expérience dans le jury, dites-nous, parce que le public, tout le monde ne vous connaît pas, Betclic à Bordeaux, c'est quoi et c'est depuis combien de temps? Alors, c'est tout nouveau, puisque... Alors déjà, Betclic, c'est quoi? C'est le leader du pari sportif en ligne en France et un des leaders en Europe. Et on a décidé
avec les actionnaires du groupe il y a à peu près 12 mois de déplacer, transférer le siège et les bureaux de Londres et de Paris à Bordeaux. Donc on s'est installé en avril dernier et effectivement depuis notre arrivée on a déjà recruté en Nouvelle-Aquitaine et à Bordeaux plus de 200 personnes. Et je crois qu'il y a encore du recrutement en cours. Et il y a encore du recrutement en cours. Voilà, c'est un terrain qui attire de toute façon Bordeaux. Alors, cette expérience de jury, de président de jury, c'était comment ? La qualité des dossiers, les entreprises que vous avez vues, vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Ça a été une expérience vraiment fantastique. Moi, je viens du monde du digital et c'est vrai que découvrir toutes ces entreprises en Nouvelle-Aquitaine dans des domaines très variés, des domaines souvent que je ne connaissais pas, ça a été vraiment une expérience géniale. Aujourd'hui, on va avoir 12 sociétés, mais c'est vrai qu'on a départagé des dizaines et des dizaines dans des environnements très variés. Et en tout cas, à titre personnel, ça a été vraiment un moment très fort et très intéressant. Oui, parce que vous le verrez tout à l'heure, il y a quand même une diversité des activités, une diversité des parcours, des tailles d'entreprise, une dynamique, et c'est vraiment super. Et je tenais aussi à saluer Christian Chapotin, qui est directeur général adjoint de la banque, qui porte aussi ce jury depuis de nombreuses années et ce prix. Et puis Christophe Bourdet, qui est le directeur de la filiale des entreprises, qui s'était associé également au jury. Nicolas, on vous retrouve tout à l'heure pour la photo finale. Merci de votre témoignage et merci beaucoup pour ce travail de jury. Je voudrais juste vous dire qu'effectivement, c'est plus de 70-80 dossiers qui ont été vus sur juste l'ancienne Aquitaine, pour vous dire l'importance de la sélection. Ils sont que 12, je vous l'ai dit tout à l'heure, 12 belles histoires. Ils vont les raconter beaucoup mieux que moi. Ils vont avoir 2 minutes chacun pour le faire. Pour ceux qui étaient déjà l'année dernière, mais il y en a plein qui sont nouveaux, on va vous expliquer. Et vous allez avoir un timer, cher public, qui va vous permettre non pas de les huer, mais de les accompagner au moment où ça se terminera. C'est assez anxiogène quand il ne reste plus 15 secondes, la lumière passe au rouge et il y a un terrible bong qui retentit. Et puis il y a une scène éjectable. Donc vous méfiez un petit peu pour ceux qui sont en face. C'est la nouveauté de l'année. J'espère que personne ne va le déclencher. Il faut dire que certains ont même essayé de négocier le timing. Alors on va taire les noms. On va pas dire que les gens du Lot-et-Garonne et de La Rochelle, où il est plus de temps. Voilà. En fait, on a choisi une thématique avec les organisateurs et nos directions respectives. La thématique qu'on a retenue cette année, c'est le moment qui a tout changé dans leur vie de chef d'entreprise. Et quelquefois, on va le voir, c'est des changements de vie personnelle qui entraînent la création d'entreprise. Mais ça, c'est pour les histoires. Et ça va nous donner quel genre d'histoire ? Bien, je crois que c'est des histoires que vous connaissez, vous qui êtes aussi chef d'entreprise dans l'Assemblée. C'est en fait la décision importante qui a été prise, c'est l'audace qui a été prise de changer de stratégie, de changer d'environnement, une rupture, un point de rupture. Il y a aussi des crises importantes qui vous permettent de rebondir dans vos entreprises. Et ces moments-là que l'on va écouter et pour mieux connaître exactement leur parcours. Alors, je sais que vous allez être très attentif, mais vous l'êtes encore plus, puisque vous allez avoir autour de vous, vous les avez déjà, il y a un petit programme qui vous permet d'avoir le chiffre qui correspond à chaque pitcher. L'idée, ce n'est pas de faire un classement des pitchs, on serait vraiment mal placé pour le faire, et vous et nous. L'idée, c'est plutôt de laisser parler vos émotions. Donc, il va falloir enregistrer un numéro dans votre portable. Vous allez voir, il est assez compliqué, parce qu'on a pris un téléphone, je vous rassure, qui n'est pas facturé. 06 44 64 99 25, qui s'affiche sur les écrans. Puis on va faire un petit test pour voir si tout le monde a compris le système. Pour savoir si tout le monde a compris le système et puis que tout le monde s'investisse en fait dans ses pitchs aussi. Je vous rappelle que l'année dernière, il y en a qui avaient eu la bonne idée d'envoyer ce numéro vers l'extérieur pour récupérer des votes. Donc attention, cette année, on va être très vigilants. Comme quoi, tout le monde est prêt pour gagner le prix des Néo-Aquitains. Alors, la question pour se tester ce soir, c'est depuis combien de temps existe le prix des Néo-Aquitains ? Le président Dupouille nous a donné quelques indications. Sandrine, annoncez les chiffres, s'il vous plaît. Alors, vous tapez 1 pour dire que le prix existe depuis 3 ans. Vous tapez 2 s'il existe depuis 11 ans. Et vous tapez 3 s'il existe depuis 27 ans. Bien, je crois que nous sommes prêts. Vous avez quelques minutes pour tester ce vote. Tranquillement, et on verra tout à l'heure ce que ça a donné. On va rentrer dans le vif du sujet, mais je crois que vous avez aussi une indication à donner si on veut tweeter. Tout à fait. C'est important de partager ces histoires, ces expériences, de mettre en valeur ce territoire qui est riche, ces entreprises qui sont belles et performantes. Vous avez le hashtag prix Néo-Aquitain et vous pouvez relayer bien sûr la soirée sur les réseaux sociaux. Alors j'en profite pour vous dire évidemment que les journaux associés, dont Sud-Ouest, mais aussi nos amis de la Charente Libre, Le Populaire, La Nouvelle République, tout le monde parlera largement de ces prix demain dans ces pages. Mais on a aussi ce soir la présence de TV7, notre télé régionale, qui permettra à chacun de revivre cette soirée dès la semaine prochaine. Vous aurez ça en ligne et puis vous le retrouvez sur sudouest.fr et sûrement aussi sur les sites de nos partenaires médias avec un lien. Donc tout ça est à revivre. Si vous voulez dire à vos amis autour de vous et à vos salariés qu'on peut revoir la soirée et voir qui a gagné, ce sera possible. Allez, je vous propose, Sandrine, qu'on lance cette soirée.
et qu'on démarre avec la première vague. Alors, on va, pendant que vous votez, pendant que vous faites le test, moi, je voulais d'abord associer en fait tous ceux qui sont aussi co-organisateurs des prix dans tous les départements autres que Sud-Ouest. Je suis désolée, Stéphane. Et je voulais appeler. Non, mais c'est cela, bien qu'il parle aussi, je trouve. On est bien d'accord. Donc, je voulais appeler Alain Defaille pour la Nouvelle République. Sous applaudissements, Alain Defaille, Nouvelle République. Il va parler. Il est dans la Vienne, mais il va parler pour les Deux-Sèvres et la Vienne, Alain, ce soir. Pascal Ratineau pour le groupe Centre France et le territoire du ex-Limousin. Et il est le rédacteur en chef du Populaire. Et celui qui est tout près de nous, c'est Armel Leny qui représente la Charente Libre pour la Charente. Alors Alain, vous êtes participé, vous faites déjà des prix sur votre territoire, mais depuis 3 ans, on a le plaisir de se côtoyer sur un territoire de la Nouvelle-Aquitaine pour ce jury. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé, un petit peu comme Nicolas Béraud, du jury régional que vous avez vécu le 19 décembre ? C'était beaucoup mieux que celui de la Vienne, mais il ne peut pas le dire. Et maintenant, il va répondre. C'était différent, mais c'était passionnant aussi. Non, je pense que ce jury, c'est une expérience dont on sort tous extrêmement enrichi, parce que on dit souvent que cette région est grande, qu'il est difficile de la faire exister. Et on s'aperçoit, quand on parle d'économie, quand on parle d'entreprise, c'est très facile. Et on s'aperçoit aussi qu'elle existe à travers ces 3 groupes de presse qui n'ont aucun mal à travailler ensemble. Et on le prouve lors de ce jury. Alors après, on a des candidats qui ont été sélectionnés dans chacun de nos 12 départements. Et ces candidats ne sont pas forcément sélectionnés sur les mêmes critères. Mais à l'arrivée, ça fait un palmarès qui est, je pense, l'illustration de la richesse de la vie économique de ce territoire dans toutes ses facettes. Alors on a des entreprises avec des gros chiffres d'affaires, on a des gens qui ont plutôt des profils start-up. Mais tout ça, c'est le dynamisme de la Nouvelle-Aquitaine et finalement, ça nous plaît. On est d'accord. Ça nous plaît c'est bien. C'est toujours un très bon moment depuis 3 ans. Pascal, si on vous cède la parole... Pour vous, depuis Limoges, est-ce que vous avez la même vision sur cette territorialité, cette grande Aquitaine en termes d'économie ? On commence à l'assimiler. Oui, enfin moi je l'ai. D'autres l'ont, puisqu'il y a beaucoup de Limougeaux qui sont là. Il y a des Limougeaux ? Ah oui, il y a des Limougeaux, il y a des Corréziens, il y a des Creusois. Ah, ils sont tous là. Bien, allez-y. Donc ça veut dire qu'on vient jusqu'à... Moi-même, je viens de Limoges. Donc, On vient jusqu'à Bordeaux, on prend cette habitude, c'est pas toujours simple hein, pour certains. Non, c'est une belle aventure. Nous, on y est rentré dans cette aventure en ce qui concerne la Haute-Vienne il y a 2 ans. On avait été voir par le trou de souris à La Rochelle. C'est vrai, je me rappelle, tu étais le bienvenu. Et on est très heureux de cette aventure, puisqu'on l'a propagée avec Brive. Et puis, c'était en mai dernier. Et puis, j'espère que prochainement, on pourra également aller en Creuse. Voilà, et on a quand même un lauréat de la Creuse ce soir. Comment ? On a un candidat, voilà. Et à Tula, mais tout à fait. Une des très belles boîtes de Creuse. Tout à fait. Ce qui n'est pas le cas de la Charente. Non, je plaisante, elle est mal gagnée. Non, mais Armel nous amène tous les ans le gagnant. Qui n'a pas encore gagné. Qui n'a pas encore gagné, mais... Je fais tout ce que je peux. Armel Leny défend énormément son territoire et en termes d'économie. Alors, justement, quel est le rôle d'un média en termes d'économie et de faire valoir la Charente, justement ? Écoutez, on nous reproche souvent de parler que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Ce n'est pas tout à fait faux, en particulier dans le domaine des entreprises, où on a longtemps vu ça par le prisme des plans sociaux, ce qui est extrêmement réducteur. Et petit à petit, on a réussi à gagner la confiance des entreprises. Alors, ce qui nous et puis, en plus, aujourd'hui, nos lecteurs, ils s'intéressent aussi plus aux entreprises, parce que les entreprises, c'est l'emploi. Et l'emploi, aujourd'hui, c'est très important. Alors, il y a ce côté-là, et il y a aussi le côté qui nous intéresse de pouvoir raconter de très belles histoires de chefs d'entreprise et de gens qui osent et qui font de belles choses. On a découvert grâce à ça qu'en Charente, on fait non seulement du cognac, mais sans doute un des meilleurs gins du monde. Ah, je l'attendais. Parce qu'il l'a présenté il y a 2 ans, il n'a pas gagné. Donc, On a aussi eu un ancien ministre qui est venu reprendre une petite source d'eau pure charentaise magnifique. Et des pantoufles maintenant. Et des pantoufles maintenant. On a ce jeune chef d'entreprise qui a commencé dans la grange de ses parents et qui aujourd'hui fabrique des robots pour... Parlons-en, c'est lui qui a envoyé le numéro de téléphone l'année dernière à tous ses salariés pour avoir le plus de voix. Et cette année, on a encore une très très belle histoire, mais je le laisserai se présenter. Merci. Voilà. Merci.
Juste un petit mot pour ça, parce que je crois qu'effectivement, cette actualité heureuse de l'économie, c'est une façon de traiter l'économie qui est importante pour tous les quotidiens. Je voudrais saluer Pascal Rabillet, chef du service éco, qui est mon compagnon de route habituellement pour ces soirées. Je suis ravi de le faire ce soir avec Sandrine et toute son équipe, avec Valérie Demps et Nicolas César pour la rédaction de Sud-Ouest, et tous les journalistes sur tous les territoires de Sud-Ouest qui bossent pour l'économie, où effectivement, on fait aussi d'actualité heureuse. Je crois, messieurs, qu'on peut vous remercier. On vous retrouvera aussi tout à l'heure pour la photo finale. On va, ils se préparent, ils sont tendus, je les vois là-bas, les quatre premiers des pitchs. On va juste regarder, si vous voulez bien, Sandrine, si votre système, notre système de vote a fonctionné, et vous allez nous dire si la bonne réponse a été trouvée. Alors non. On n'est pas prêt, très bien. Eh bien, écoutez, on va enchaîner tout de suite avec la vague des pitchers. Mais non, mais on va quand même donner la bonne réponse. Ah, on donne la bonne réponse. Mais bien sûr, on n'a pas les résultats. Bon, d'accord. Donc c'est pipoté, en fait. On demandait depuis combien de temps existait le prix des Néo-Aquitains. 3 ans, 11 ans, 27 ans. Alors, en tout cas, ce n'est pas très grave si on n'a pas le résultat, parce que je pense qu'il y a Christian Chapotin qui connaît la réponse. En fait, c'est que des bonnes réponses. Puisqu'il y a 3 ans, depuis 3 ans, on fait tous ensemble, les 12 départements, le prix des Néo-Aquitains. Je reconnais que ça fait 11 ans que Sud-Ouest a rejoint ce prix et que l'on fait ensemble cette belle manifestation. Et ça fait 27 ans que Banque Populaire remet le trophée aux entreprises sur le territoire de BPAK, d'une autre banque auparavant. Et donc voilà, je suis sûre que vous avez donc tous gagné. Et c'était le premier point de cette soirée. C'est le seul moment de la soirée où tout le monde va gagner, hein, je le dis aux pitchers. Donc on va pouvoir les accueillir. Sous applaudissements, Sandrine, qui est-ce qu'on accueille tout de suite ? Alors on accueille dans un premier temps Jean-Luc Ballet des établissements Martin, qui est lauréat en Deux-Sèvres, une entreprise qui a emballé le jury. Alors, et elle a parié sur l'emballage léger en bois de peuplier avec succès. Et aujourd'hui, elle emploie 90 salariés pour un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros. Et on suit avec la société Mekada, qui vient des Landes. Julien Dubec, c'est lauréat évidemment des Landes. Entreprise spécialisée dans l'aéronautique. Attention, il est à Tarnos, mais il est aussi aux États-Unis. Tout à fait, c'est une réussite. Il est dans l'usinage plus particulièrement de pièces de haute précision. Comme toutes les poignées de porte des Boeing 787, c'est pour vous donner une idée de son entreprise. Il a une croissance XXL, puisque son chiffre d'affaires de 60 millions en 2018 passera, est ambitionné à 100 millions en 2020. Il a 300 collaborateurs. Bravo, on peut l'applaudir. Une autre success story, en tout cas, c'est ce que nous disent les confrères de la montagne. Il est victime de son succès. On accueille Xavier Lecomte, il vient de la Creuse. Il est le patron d'Atulam. Il s'est spécialisé sur la menuiserie haut de gamme et en bois. Il affiche 16 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 135 salariés. De quoi le lisser à la première marche de la fenêtre peinte. Et le dernier de cette première vague, il aurait pu venir en véhicule électrique utilitaire. Il en est un des leaders, mais il vient à pied. C'est Olivier Pelletier. Il nous arrive du Lot-et-Garonne. C'est la société Goupil. Il a doublé son chiffre d'affaires en 3 ans sur ce créneau qui est très porteur, et il réalise les 2/3 de son chiffre d'affaires à l'export. Il nous racontera tout cela tout à l'heure. Allez, je vous propose qu'on donne le go enfin. Nous avons été aux trois bavards. Jean-Luc Ballet, il en faut toujours un. Le premier, c'est vous. La petite croix au milieu pour la caméra. Vous avez 2 minutes. Bonsoir. Un soir de décembre 2008, mon patron m'appelle à son bureau et me dit... Écoute, j'ai deux mauvaises nouvelles à t'annoncer. La première, c'est que le groupe Wagon Automotive va déposer son bilan lundi, que moi, dans 15 jours, je ne serai plus dans l'entreprise et qu'on a pensé à toi pour reprendre l'entreprise. Bon week-end. Inutile de dire que je n'ai pas passé un très très bon week-end, mais par contre, j'ai passé 7 ans absolument formidables à apprendre le métier de chef d'entreprise. En 2014, je visite l'entreprise et les établissements Martin qui... exploite les peupliers, les scies, et puis transforme ça en emballage en bois. La reprise d'entreprise, c'est d'abord une belle rencontre, assez improbable, entre le métier de l'automobile et le métier du bois. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier Jean-Pierre et Claude Martin qui m'ont donné leur confiance, ainsi que les salariés, pour la reprise de l'entreprise en 2015. En 2019, le programme de la région, l'usine du futur, sera l'occasion pour l'entreprise de déployer son projet, l'emballage en bois, un emballage d'avenir. C'est un vrai challenge
pour une entreprise familiale sur un territoire rural que d'initier le changement. Donc c'est vraiment l'occasion, avec la région, de démarrer une nouvelle page des établissements Martin. Merci beaucoup. Il a bouclé avant la fin. Merci, il fallait un premier. On peut transmettre le micro à Julien Dubec. Julien Dubec qui vient des Landes, mais un peu des États-Unis parce qu'il voyage beaucoup en ce moment. Et on le remercie parce qu'il a décalé, je sais, un voyage pour être là ce soir. Julien Dubec, vous avez 2 minutes. Bonsoir. J'ai décidé de retenir 3 dates pour expliquer brièvement le projet Mécadac. La première, elle me concerne un peu plus que Mécadac, c'est 1998, quand je décide de quitter un poste de cadre dans la région parisienne et de redescendre à Biarritz, reprendre une société de mécanique de précision pour l'aéronautique, créée par mon père et mon grand-père en 1971, et réaliser ainsi mon rêve de devenir chef d'entreprise. La deuxième, c'est 10 ans après, environ, 2007-2008, quand je décide de sortir la société de son confort, à savoir collaborer avec des donneurs d'ordre locaux, type Turboméca, Dassault ou l'environnement Airbus, et nous lancer dans un projet Boeing, le programme 787 en particulier, certes avec un donneur d'ordre français, la TECOR, mais très rapidement associé à un projet de création d'une unité industrielle sur le sol américain, alors que nous ne réalisions à l'époque qu'environ 3 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Bien nous en a pris parce que c'est ce projet et ce programme 787 qui tirera la croissance de la société et la performance de la société sur la fin des années 2000 et le début des années 2010. La dernière date marquante, c'est le 18 décembre 2015, quand je décide de réaliser une opération de haut de bilan et de vendre une partie de mon capital auprès d'un fonds d'investissement pour que ces derniers m'accompagnent dans le déploiement d'une stratégie de croissance externe et de l'atteinte d'une taille critique nécessaire pour le secteur aéronautique. Entre 2016 et 2018, nous réalisons 3 acquisitions, 2 en France, qui renforcent notre outil industriel et consolident notre position avec Airbus, puisque Stelia du groupe Airbus est notre premier client aujourd'hui, et une aux États-Unis, en effet, à Seattle, près des usines d'assemblage de Boeing, qui consolident notre position auprès de Boeing, puisque nous sommes fournisseurs de rang 1 de Boeing. Merci. Bravo. Bravo. Parcours magnifique, il y en aura beaucoup d'autres, je vous l'assure, et on voit là d'ailleurs un qui va nous raconter encore une très belle histoire, Sandrine. Merci. Voilà, pour Atulam, Xavier Lecomte. Bonsoir, je suis très heureux de vous présenter mon entreprise. Elle s'appelle Atulam, elle est basée en Creuse et fabrique des fenêtres et des portes en bois sur mesure, avec l'originalité de garantir la peinture 12 ans. Je ne connaissais pas la filière bois, mais les hasards de la vie m'amènent à racheter Atulam en 96. La situation était critique, Atulam n'avait qu'un seul client, lui-même en difficulté. Sans véritable moyen financier, j'ai dû prendre des risques et rapidement trouver de nouveaux clients menuisiers. Cette stratégie fonctionne, mais je me rends vite compte que nous ne pouvons pas continuer à proposer des menuiseries bois considérées haut de gamme, non peintes. On n'achète pas une Porsche prête à peindre. Peindre nos fenêtres et nos portes et garantir leur peinture, c'est combattre l'idée reçue que le bois nécessite beaucoup plus d'entretien que d'autres matériaux. Pour impacter le client final et surfer sur la tendance du Made in France, nous créons en 2017 la marque La Fenêtre Française, une marque forte, évocatrice, qui vise à positionner la fenêtre comme un élément de déco. Notre métier est difficile à rentabiliser. Le sur-mesure haut de gamme demande beaucoup d'investissement et beaucoup de main-d'œuvre. Aussi, je veux remercier la grande région Aquitaine, et plus particulièrement son président, M. Alain Rousset, qui est venu visiter Atulam il y a 1 an et nous a fait confiance en nous allouant une aide à l'investissement conséquente. Nous partageons le même objectif, faire d'Atulam d'ici 10 ans une ETI creusoise performante, symbole de la performance de notre département et de notre région. Grâce à la démarche Usine du Futur, pour accompagner notre croissance, nous avons réalisé un audit en novembre 2017. Il nous a conduit à mettre en place le Lean Durable, une méthode d'organisation de production ultra performante mise au point par Toyota après-guerre. Nous sommes passés en 22 ans, de 20 à 140 personnes, de 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires à 16,5 millions. Rugbyman de passion, je vis cette aventure avec une équipe solide et impliquée. Je suis fier de mon équipe et fier de représenter ce département creusois trop peu connu. Merci. Wow. Bravo. Le rugbyman s'est arrêté au moment de la sirène de la fin du match. Et avant qu'on entende Olivier Pelletier, je précise que le jury s'est déjà réuni et donc que les remerciements à Alain Rousset ne changeront rien au classement. Hein.
pouvez y aller, Monsieur Pelletier. Merci, bonsoir tout le monde. Lorsque je suis arrivé chez Goupil, il y a 3 ans et demi, le chiffre d'affaires était plat depuis plusieurs années et la profitabilité était proche de zéro. La manière pour ranimer la passion et avec augmenter le chiffre d'affaires a été de lancer un nouveau produit. Tout d'abord, avec ce nouveau produit, nous avons en fait combiné 2 produits précédents, ce qui nous a permis de combiner 2 usines et de combiner 2 réseaux de distribution. Grâce à cela, nous avons gagné plus de 20% sur nos coûts de production et de distribution. Par ailleurs, au sein de ce nouveau produit, nous avons intégré la technologie des batteries lithium, qui, pour notre segment, est nouveau. Ceci nous a permis de regagner une position de leader technologique sur notre marché niche, mais aussi ceci nous a permis d'augmenter en moyenne de 25% notre prix de vente moyen des produits et le chiffre d'affaires avec. Enfin, grâce à ce nouveau produit, nous avons pu attaquer de nouveaux marchés. Notamment, nous avons attaqué le marché de la livraison du dernier kilomètre avec, entre autres, plus de 700 véhicules qui ont été vendus au leader européen du supermarché en ligne, qui est en fait basé aux Pays-Bas, qui est une société qui s'appelle Picnic, qui s'est maintenant implantée en Allemagne et qui est en train de se développer partout en Europe pour justement développer ce marché du supermarché en ligne. Donc, comme vous le voyez, c'est grâce à l'innovation et à l'innovation dans de nouveaux produits que nous avons pu réaliser ce doublement du chiffre d'affaires sur les 3 dernières années et retrouver une profitabilité tout à fait positive actuellement. Et enfin, pour finir, en 2019, nous réitérons en lançant un nouveau produit qui s'appellera le Goupil G2 et où nous allons attaquer le marché de la golfette électrique. Merci. Merci. Vous pouvez les applaudir, c'était les 4 premiers pitchers. Ils marchent tous avec des piles lithium. Ils ont été très très bons. Je vous propose... C'était trop profiter des applaudissements. Voilà. Ouais. Je vous propose effectivement de faire une petite pause. On va accueillir un des partenaires de cette soirée. Ils sont très importants auprès du jury puisque aussi bien Kedge Business School que Pouaille International sont nos garants pour le sourcing et pour vérifier la qualité des dossiers puisque la qualité des lauréats ce soir le prouve. Tous les dossiers sont passés au crible d'un point de vue comptable par Pouaille International. Pour ce faire, je vous propose, Sandrine, qu'on accueille tout de suite Jean-Luc Fay pour Kedge et Pascal Marchessault pour Pouaille International, s'il vous plaît. Bienvenue. Pendant qu'ils arrivent, vous voyez tweeter avec le prix, l'hashtag prix Néo. Messieurs, bonsoir. Alors pour Kedge, on est habitué à se voir avec Kedge parce qu'on fait le tour de l'Aquitaine ensemble avec Pascal Rabier. On parlait du sourcing, les étudiants font un gros boulot. Je rappelle que ce sont des étudiants en formation continue qui sont pour la plupart avec une bonne dizaine voire 20 ans d'expérience dans l'entreprise. Qu'est-ce qui a changé justement pour améliorer la qualité du sourcing puisque souvent on parle de qu'est-ce qui a changé pour être meilleur? Oui, alors beaucoup de choses ont changé cette année. C'est vrai qu'on a... Vous avez moins de 2 minutes aussi. Merci, mais je vais expliquer les choses. Alors, beaucoup de choses ont changé, notamment on a souhaité renforcer la procédure et la qualité de sourcing justement des entreprises. Pour nous, c'est important. Hein. Je rappelle simplement que ça fait partie vraiment d'un dispositif pédagogique qui est clé. Ce dispositif pédagogique est une de nos forces, je pense. C'est de permettre à des personnes d'expérimenter tout au long de leur formation un certain nombre de choses, de travaux qu'elles ont à réaliser. C'est pas seulement écouter quelqu'un parler dans une salle, mais c'est bien mettre en œuvre et mettre en pratique. Et l'une des clés de cette mise en pratique, c'est le prix des Aquitaines de l'année. Le prix des Aquitaines de l'année, ça fait près de 10 ans qu'on est là. Beaucoup de choses ont changé à Kedge hein, depuis 10 ans. On a changé de nom, on a grossi, on a grandi. Mais une chose n'a pas changé, c'est notre volonté de rester dans un ancrage régional fort. Ancrage régional, bien sûr, en PACA, mais surtout également en Aquitaine. Et donc, on amène nos étudiants, justement, à aller vers les entreprises. Donc, cette année, ils ont dû mettre en œuvre des compétences qu'ils ont travaillées avec à la fois les partenaires hein, qui sont autour de ce prix, mais également avec les équipes de Kedge, les enseignants, les professeurs de Kedge, qui leur ont permis donc de travailler des compétences en matière d'analyse stratégique, en matière d'analyse financière, en matière de prise de parole en public, en matière d'expression, de leadership. Pourquoi ? Parce qu'au final, ils devaient défendre de manière individuelle 57 entreprises. Ils avaient chacun une entreprise à trouver. Il fallait négocier avec le dirigeant sa volonté et son souhait de participer. Et il fallait ensuite mettre en avant cette entreprise à travers un pitch de 2 minutes. Tous l'ont fait, tous sont rentrés dans le jeu. Ça a été un
un gros travail pour eux, beaucoup de stress, mais je crois qu'au final, ils en ressortent grandis. Certains sont là dans la salle, je les remercie d'ailleurs pour leur participation. On les applaudit parce que pour certains, je vous assure, c'est des ambassadeurs de leurs candidats et leurs pitchs ont beaucoup compté. Sandrine, avec Poi International, on va parler de l'après. On va parler de l'après parce qu'on sait déjà que vous êtes le garant de la qualité des entreprises qui sont présentes ce soir. Mais je sais que vous avez un virage, vous, qui est aussi important au niveau de l'international. Qu'est-ce que ça change pour vous dans l'avenir, l'international ? En fait, on se développe sur un modèle à l'international. On a développé sur l'Espagne depuis maintenant une douzaine d'années. On est en Italie depuis l'année dernière. Et on a un projet de développement au Portugal, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Ce modèle est un modèle très simple et c'est de l'assurance et de l'assurance crédit puisque c'est ce qui nous permet d'exporter ce modèle. Voilà. Et ce qui permet du coup de faire plus d'affaires pour les entreprises du territoire ou de sécuriser dans un sens, dans l'autre ? Ça, c'est ce, on faisait de l'international depuis des années puisqu'on faisait du recouvrement à l'international, des enquêtes financières à l'international. Nous faisions de la garantie sur des entreprises basées à l'international. Et maintenant, nous avons des clients qui commencent à être de plus en plus internationaux. Avec une difficulté, c'est d'obtenir les agréments pour faire notre métier d'assureur dans ces pays-là. Merci à vous deux. Je voudrais saluer aussi une autre performance de Poi qui nous est chère. C'est que quelquefois, on les appelle un peu au dernier moment. Et je salue encore le travail de l'équipe de Pascal Rabillet et du jury. C'est qu'on a des dossiers qui arrivent un peu tard parce que les chefs d'entreprise n'ont pas eu le temps de signer, etc. Et on a eu des exploits en 48 heures de retour de dossier de chez Poi avec vérifié la note attribuée et que c'était formidable. Merci à vous deux. On vous applaudit. Merci. Sandrine, deuxième vague. Il y en aura trois. Et on va accueillir une personne qui est très attendue ce soir. Oui, elle est très attendue et donc j'ai le plaisir d'accueillir Jeannette Guinaudot de la société Espace Investissement et elle représente la Charente-Maritime. Elle vient de La Rochelle, c'est là qu'il y a la meilleure équipe de rugby de tout le territoire, tout le monde le sait, enfin surtout Jeannette qui le dit, c'est pas moi, je m'en voudrais. Et elle a remporté le trophée départemental avec son entreprise spécialisée dans l'immobilier. Elle fait de la réhabilitation de locaux dans des monuments historiques ou à caractère. Elle emploie 16 salariés pour un chiffre d'affaires quasi de 30 millions, là, 23 en ce moment, mais je sais qu'il y a de gros projets, donc je développe sur 2019. En tout cas, c'est la seule femme de cette soirée, on est ravis de vous avoir. On accueille maintenant Stéphane Gilbert de la Cour, qui représente la Haute-Vienne avec l'entreprise Aquacé. Alors Stéphane, il arrive avec une jeune entreprise, effectivement, il a Limoges, le chiffre d'affaires. Il est discret parce qu'il est en pleine explosion et que c'est un mouvement de start-up, il a 25 salariés et surtout, il est un expert de la performance hydrique et on sait que c'est aujourd'hui très important puisqu'on est tous attentifs à la protection de la planète. Et la Dordogne, ce soir, est représentée avec Olivier Failly qui représente le groupe Berkem. Alors Berkem, ils sont en Dordogne historiquement, à Gardonne, pour les Périgourdins qui sont là, mais ils auraient pu candidater sur d'autres départements. L'entreprise a beaucoup essaimé, on l'entendra le dire tout à l'heure. C'est devenu un spécialiste de la chimie verte, 232 salariés, 55 millions de chiffres d'affaires et c'est pas fini. Et pour terminer cette deuxième vague, c'est Patrick Grandjean qui nous rejoint. Il nous vient de la Vienne et il représente la société Adial. Tout à fait. Je précise qu'il est installé à Adrié, que tout le monde connaît, aux confins de la Vienne et de la Haute-Vienne. Enfin, il n'y a que Sandrine qui savait où c'était dans le jury. Je vous le dis tout de suite, monsieur Grandjean. 30 salariés, 21 millions de chiffre d'affaires. Il aura aussi 2 minutes. C'est normal, j'ai grandi à 8 km de son entreprise. Mais ça fait deux fois que vous nous parlez de votre jeunesse, il y a 27 ans, on est tous au courant comme le concours, merci Sandrine. On va démarrer tout de suite avec Jeannette Guinaudot. Bonsoir. En 2005, c'est un tsunami personnel et professionnel. Un divorce très difficile et une activité professionnelle très fragile. J'ai plus d'envie. Et comment je vais financièrement élever mes deux garçons? Je vis un point de rupture. Que vais-je faire de ma vie? Il faut que je rebondisse, je n'ai pas le choix. Au fil des années, je décide de développer mon activité en devenant la spécialiste de la restauration d'immeubles anciens avec un style et une signature identifiables sur le Grand Ouest. La passion du beau guide toujours mes choix. De projets et des acquisitions foncières ambitieuses, des besoins financiers très importants. Le dernier en date, un immeuble à Paris, 17 millions d'euros, avec des besoins fonds propres de 5 millions, que je n'ai pas. Je ne me pose pas la question de je peux ou pas. Le projet est magnifique, l'opportunité et la rentabilité sont au rendez-vous.
et je ne vais pas le laisser à un concurrent. J'y vais, je fonce, je suis entourée d'une excellente équipe. L'argent n'est qu'un moyen, je vais le trouver et bien sûr me structurer en conséquence. Vous pouvez penser, mais après quoi court-elle ? Ce n'est pas l'argent qui motive mes ambitions. C'est l'envie de faire revivre des sites. À Bordeaux, des anciens entrepôts, une ancienne maternité école normale à La Rochelle, des casernes militaires à Nantes, un ancien couvent à Niort, des hôtels particuliers. Des mètres carrés que je crée deviennent des lieux de vie où il fera bon vivre. Ma motivation réside aussi dans la volonté de revaloriser la filière bâtiment tout en cultivant l'excellence. Je souhaite qu'Espace Investissement devienne acteur d'un nouveau mode de management des métiers de notre secteur en généralisant le lean management, construction en rénovation. Dynamiser ensemble pour donner du sens et motiver les jeunes à rejoindre les filières bâtiment avec une approche de responsabilisation et d'autonomie. Je ne peux pas revendiquer l'exigence et l'excellence si nous n'avons pas le savoir-faire et les compétences chez nos partenaires. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, vous l'aurez compris, j'aime mon métier. Bravo. Bon, les 10 secondes en trop, c'est parce que c'était la seule femme chef d'entreprise ce soir, les autres ne l'auront pas. Sandrine. Oui, oui, oui. Eh bien, je demande à Stéphane Gilbert de la Cour de s'approcher pour Aquacer. C'est à vous, votre histoire. Bonsoir, mesdames, messieurs. Merci de l'opportunité de cette tribune. Alors, au début, quand j'ai réfléchi, le moment où tout a basculé, je me suis dit, bah, c'est une grande victoire commerciale. C'est le moment où le directeur industriel d'un numéro 1 mondial vous signe un contrat pour déployer votre technologie sur 80 sites dans 30 pays en 18 mois. Mais finalement, c'est plutôt un résultat. Alors, je me suis dit, non, c'est pas ça le fait générateur. Le fait générateur, c'est peut-être alors mon premier closing. Quand on est ingénieur, on n'a absolument aucune idée de ce que ça peut être. Et puis la cérémonie de la signature des 600 pages où à la fin on vous confie 1 million d'euros, ça a des côtés très ubuesques pour l'ingénieur que j'étais. Je me suis dit, bah ouais, c'est ça, on nous a donné les moyens de faire. Puis après, je me suis dit, non, c'est pas ça le fait générateur. Le vrai des donateurs, en fait, ça se passe à Lyon. Ça se passe en décembre 2012 sur le salon Polytech, où j'ai eu l'opportunité de rencontrer en fait, mon homonyme, Jean-Emmanuel Gilbert, et qui est depuis devenu mon associé et mon ami. Que dire de cette rencontre ? Une rencontre coca-mentos, un truc qui fait pshhh, une libération subite des gaz dissous par nucléation sur les surfaces d'aspérité poreuse. Je suis incapable de vous dire qui est gaz dissous ou qui est aspérité poreuse. Par contre, je sais qu'à chaque fois, ça fait pshhh. Ce que je sais aussi, c'est qu'on est très différents. Je suis très sportif, j'adore les sports extrêmes, etc. Lui, c'est plutôt Anisette Pétanque. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui adore les sports d'équipe. J'ai été rugbyman longtemps. J'adore le groupe. Lui, il monte dans un bus Paris-Bruxelles pour s'enfermer pendant 12 heures pour pouvoir réfléchir. Moi, tu fais ça, je mords le voisin au bout de quelques minutes. Et donc, on est très différents. Mais du coup, en fait, cette grande différence et cette grande confiance, ce grand respect mutuel, ça nous a donné une force incroyable. C'est que vu comment on réfléchit complètement différemment l'un de l'autre, eh ben forcément, quand on est d'accord, c'est sûr, c'est ça qui va se passer. Alors clairement, pour moi, le moment qui aura tout changé dans ma vie d'entrepreneur, mais finalement aussi dans ma vie professionnelle au sens large, eh ben, c'est la rencontre de quelqu'un qui finalement aura su me comprendre. Merci beaucoup de votre attention. Bravo, je vous propose qu'il vienne. Je sais qu'il est là, l'associé de Stéphane. On va le faire venir pour la fin des deux pitchs. S'il veut bien monter sur scène, à moins qu'il soit à la pétanque ou à la nisette. Il est où ? Il nous rejoint, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements. Parce qu'un hommage pareil, ça se partage. Allez, c'était pas prévu, merci d'accepter, rejoignez-le, voilà, voilà. Allez, que ça ne trouble pas, et je sais qu'il ne sera pas troublé, Olivier Failly, qui représente la Dordogne, le groupe Berkem, c'est à vous, 2 minutes aussi. Non, ça ne m'a pas troublé, mais je voulais simplement dire que c'était bon d'être ici, et d'être avec vous. À la question, quand est-ce que les choses ont basculé, pour ma part, je situe quelque chose qui a basculé en 2009. En 2009... On a fait un truc assez curieux, c'est qu'on a, j'ai décidé de vendre un quart du chiffre d'affaires de l'entreprise et 60% de sa marge. Alors sur le papier, ça paraît complètement fou. Et la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est que l'activité que nous avons cédée occupait toute notre capacité cérébrale et empêchait probablement de se pencher sur d'autres sujets fort intéressants. L'année 2009, ça a été l'année la plus belle de toute ma carrière professionnelle et je souhaite à tous les dirigeants d'entreprise ici présents et ceux qui ne sont pas présents,
que de vivre un moment pareil, parce que avoir le temps de réfléchir, c'est pas des moments qui sont aussi faciles que ça à avoir. Et cette réflexion nous a permis, avec l'équipe qui m'entoure à l'époque et qui m'entoure encore, de réfléchir à ce que nous allons faire. Nous avons décidé en 2009 d'arrêter de faire de la chimie, je dirais, minérale ou des synthèses de chimie. Et nous avons décidé de partir sur le marché du tout végétal. Et depuis lors, les choses sont plutôt bien passées. En 2009, après cette session, nous faisions 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. On en fait aujourd'hui 55. Nous étions 42 personnes, on est plus de 200. Et j'avoue franchement qu'on est très heureux de pouvoir aujourd'hui aller sur différents marchés, des marchés de niche, c'est de la chimie de niche. Vous pouvez trouver des produits de Berkem, probablement lorsque vous mangez un ice cream de la marque Magnum. C'est nous qui avons un petit peu bricolé le chocolat pour vous éviter que la glace tombe sur vos doigts. C'est probablement vous, mesdames, qui utilisez des produits de cosmétiques, des anti-rides, mais vous n'en avez pas, qui viennent probablement de chez nous. Elles n'ont pas et besoin. La dernière acquisition que nous avons faite est à la test, où nous avons acheté un petit fabricant de résine, et notre objectif est de le transformer rapidement. Vous m'avez interrompu, je peux y revenir. Oui, allez-y, oui, Olivier. Terminé. De le transformer rapidement en fabricant de résine biosourcée. Voilà. Il y a une chose quand même qui nous anime, je pense tous, c'est d'être heureux avec son équipe. Le reste n'est que littérature. Bravo, Olivier. Bravo. Failly pour Berkem. Je disais, c'est une innovation, le M&M's de la glace, en fait. Là. Et on accueille bien sûr Patrick Grandjean pour Adial. Et pour la Vienne. Et avant que le timer part, on salue l'arrivée du président Alain Rousset parmi nous. Merci, mesdames, messieurs. Merci au président Rousset de nous avoir rejoints. C'est quand même un agenda chargé. Monsieur Grandjean, 2 minutes, s'il vous plaît. Merci. Mais tout d'abord, merci à vous tous d'être là. Et merci de nous donner cette opportunité de présenter notre entreprise ou nos entreprises ici. C'est quand même un grand honneur aussi pour nous de représenter la Vienne. Je viens effectivement... Adiane, en tout cas, vient du Sud-Vienne, mais je n'avais jamais rencontré Corinne. Voilà. Sandrine. Bon, Sandrine, pardon. On vous la représente tout à l'heure. On va remettre le timer en place. Occupez-vous de votre timer. On vous donne 20 secondes. J'avais dit que ça serait une soirée de rencontre, voilà. Mais pas à ce point-là. Allez-y, bon. Monsieur Grandjean. C'est normal, c'est l'histoire belge, je suis belge, donc voilà. Allez, on va vous remettre le timer, c'est parti, Monsieur Grandjean. Donc, Adial, c'est une très belle aventure aussi. Donc, pour nous, ça a un peu commencé bizarrement. En fait, en 98, je traînais un peu mes savates dans le Sud-Vienne, je rencontre quelqu'un, un notable, un industriel, on lui rachète une société, enfin, je travaillais dans un groupe. Et puis, les choses se passent. En 2007, je suis licencié de ma boîte parce que restructuration, etc. Donc ça, c'est une rupture. Et là, je me dis, c'est le moment de lancer cette aventure, de me lancer dans l'entreprise et finalement de créer ma propre boîte. L'idée, c'était de le faire en Bourgogne, on l'a fait. Et en même temps, la personne que j'ai rencontrée dans le Sud-Vienne nous rencontre, nous appelle en disant, Patrick, ça ne t'intéresse pas de racheter Adial? Oui, mais je n'ai pas les pognons, moi, je n'ai pas les sous, je n'ai pas l'argent. Comment je fais? Donc, on a trouvé l'argent en 2 mois. On a fait le truc et puis on s'est retrouvé à la tête d'Adial en 2008. Puis pas de chance pour nous. Les emmerdes sont arrivées, comme disait votre ancien président. Chirac. Monsieur Chirac, oui. Les emmerdes, ça vole en escadrille. On a eu la crise dans les gencives. On en est sorti. Et aujourd'hui, Adial, c'est une entreprise magnifique. Il y a à peu près 5 tonnes d'alliage d'Adiel qui part avec la fusée Ariane chaque fois qu'elle décolle. Il y a des hélicoptères Leonardo qui sont là, des moteurs de Ferrari qui contiennent de l'alliage d'Adiel. Donc c'est la vieille économie, mais c'est quand même super et beaucoup de recherche et développement. Voilà. Merci. Bravo. Merci. Messieurs, c'était la deuxième vague. Je vous remercie. Vous pouvez regagner vos places. Sandrine, vous partez pas tout de suite avec Monsieur Grandjean, vous restez avec moi, merci. Et c'est vous qui accueillez notre invité suivant. Oui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-François Clédel. Sous applaudissements, le président de la Chambre de commerce et d'industrie régionale. Qui nous rejoint cette année, puisque nous avons fait le choix, et par rapport aux entreprises, on le voit beaucoup exporte. Et je voulais savoir un peu quel est le rôle de la Chambre de commerce et d'industrie régionale dans ce domaine-là. D'accord, très bien. Bonsoir à tous et à tous. Cher Président, bonsoir.
Je pensais que vous alliez me poser la question de savoir ce qu'il fallait pour pouvoir exporter, mais bon. Ça revient un petit peu au même. Non, je dirais, bon. Après, vous voulez parler de votre expérience personnelle. Pour première des choses à avoir, je pense qu'il faut avoir la volonté, mais ça, on l'a bien compris au travers de tout ce qu'on a entendu tout à l'heure. Il faut une forte volonté. Ensuite, je pense qu'il faut un peu de... Enfin, d'abord, il faut des produits ou des services. Il faut de la méthode. Et sur la méthode, c'est là que j'en viens à la Chambre de commerce, et en particulier à la nouvelle équipe qui a été créée ici en Nouvelle-Aquitaine, mais qui existe également en France, dans les autres régions, qui est ce que l'on appelle la Team France Export, en fait, qui est la réunion des équipes de CCI International, Nouvelle-Aquitaine, et des équipes de Business France. Alors, cette réunion des équipes s'est faite avec la signature d'une convention entre la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, ici présent, avec Business France, avec BPI et bien sûr CCI Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc il faut avoir, il faut faire appel en fait à ce guichet unique qui a pour objectif finalement d'apporter du service, du conseil aux entreprises qui ont l'intention soit d'exporter, soit de s'implanter à l'international. Ce qu'il faut ensuite, je dirais, ce sont des moyens. Et là, pour les moyens, ben, nous sommes ici dans une banque, donc il faut de l'argent, évidemment. La région aussi peut intervenir pour apporter ses moyens, BPI France également. Voilà. Et puis enfin, il faut du réseau. Et là, parfois, on peut avoir besoin des médias et tout pour se faire connaître. Merci, merci beaucoup. Monsieur Cledel, on vous retrouve tout à l'heure pour la photo finale. Allez, c'est la dernière ligne droite, les quatre derniers finalistes, mais ils vont être cinq, Sandrine, puisqu'on va les appeler ensemble. Je vous propose, ils jouent à domicile, je vous disais tout à l'heure, je vais faire un jeu de mots facile, c'est un poids lourd en Gironde. Je vous dis Eric et Michel Sarah, vous me répondez évidemment. Groupe GT, sous applaudissements. Alors leurs effectifs sont impressionnants, 3100 personnes avec une croissance qui l'est tout autant. Plus de 260 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an passé dans le transport, mais aussi dans la logistique innovante. Alors, son succès est en train d'être la même que l'histoire des deux frères qu'on accueille. Il est un peu plus jeune, c'est le plus jeune ce soir, il vient de Charente, Julien Badre. Il a 32 ans, il a déjà 5 sociétés, plus de 180 salariés et 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Avec Fabrice Marsalex qui vient de Corrèze, on va à Donzenac. Il fabrique, je vous assure, des robots incroyables. Il va vous raconter ça avec beaucoup de talent, autant de talent que pour les fabriquer. Il a que des robots pour des missions originales. Tout à fait. Il s'agit de l'entreprise MTech EAC. C'est un spécialiste de l'innovation. Il est capable de concevoir des robots à la carte, dont un qui grimpe plutôt sur des parois verticales. De quoi faire aussi grimper son chiffre d'affaires avec plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et 25 collaborateurs. Allez, les derniers, ils sont deux. Je vous avais dit qu'il y en avait qui étaient en tandem. On va accueillir l'entreprise Socoa. Ils viennent du Pays Basque. Vous applaudissements avec Timothée Achetti-Gogoraï et Jean-Michel Béra. Alors, vous les connaissez, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le fauteuil de bureau et les assises en général pour les lieux de travail. De quoi s'asseoir comme leader national avec 600 salariés, tous actionnaires et plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une très belle histoire encore. Et troisième vague qui va démarrer. Petite précision pour ceux qui disent qu'ils ne sont pas bien assis, ce n'est pas du produit qui vient de chez Socoa, donc c'est dit. Alors, on a une pensée pour votre frère, Michel Sarah. Avancez-vous, c'est vous qui allez lancer ce pitch. On a vu Eric pour la finale départementale, pardon, et on est ravis de cette alternance, mais on lui transmet évidemment notre amitié. Vous avez deux minutes pour nous parler de cette très belle entreprise. Comme Patrick Grandjean vient de le rappeler, les emmerdements, ça vole en escadrille, je confirme. Ainsi, en 2011, aux emmerdements traditionnels dans une entreprise, mauvais résultats, trois gros clients qui nous laissent des impayés, plan social, se sont rajoutés des événements dramatiques qui, eux, touchaient à la santé de plusieurs d'entre nous. Nous sommes sortis de cette période éreintés et nous sommes posés la question, mais quels enseignements tirer de ce que nous venons de vivre? Nous avons tiré deux enseignements. Le premier, revoir complètement notre organisation, très hiérarchique, trop centralisée, et redonner du pouvoir aux équipes opérationnelles sur le terrain. Deuxième enseignement, bien sûr, prendre soin de nos collaborateurs. Passer d'un management qui reposait sur l'obéissance et la crainte à une dynamique qui, elle, soit fondée sur la liberté, la confiance et la responsabilité. Nous ne le savions pas, mais en prenant au sérieux ces deux enseignements, nous nous sommes lancés dans la réinvention de notre entreprise. Quelle énergie se déploie quand les dirigeants se donnent les moyens de réellement écouter leurs collaborateurs.
la parole libre dans l'entreprise permet d'identifier les problèmes et donc de les résoudre. Une énergie extraordinaire s'est déployée parmi nos équipes. Et moins de 7 ans après, notre groupe familial a quasiment doublé de taille, aussi bien en chiffre d'affaires qu'en effectif. Bravo. Bravo, merci beaucoup de ce témoignage. Merci. Un grand groupe en devenir, Julien Badre, pour la société Starpack qui nous raconte son histoire. Le candidat d'Armel Leni, Charente Libre. Bonsoir. Nous sommes en 2013, le marché des spiritueux dans le monde est en pleine croissance et je dirige une entreprise spécialisée dans le packaging depuis 2 ans. Nous avons une croissance exponentielle, les résultats sont excellents et happé par cette formidable dynamique de croissance, je décide de diversifier l'activité à travers la création d'une société qui s'appelle Cognac Embouteillage. Nous sommes maintenant en 2015, je viens d'investir 2 millions d'euros. J'ai recruté 7 collaborateurs. Le marché des spiritueux en Chine vient de s'effondrer. Après 4 mois d'activité, le chiffre d'affaires est de 0 euro. Je me présente, je m'appelle Julien Bad, j'ai 32 ans. Je suis dirigeant et fondateur du groupe Starpack, composé de 5 sociétés spécialisées dans le conditionnement et le packaging pour les vins spiritueux et cosmétiques. Nous employons aujourd'hui 180 personnes et réalisons un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros. Si je suis devant vous ce soir, c'est en grande partie et grâce à mes collaborateurs qui se sont battus corps et âme pour faire en sorte de maintenir leur métier, de permettre des créations d'emplois et de faire en sorte que cette entreprise Cognac Embouteillage devienne leader dans l'embouteillage des spiritueux haut de gamme. Fort de cette expérience humaine, j'ai décidé, avec deux amis, de créer le Mercato de l'emploi, qui nous a amené à la création d'un nouveau métier, celui d'agent de salarié. L'agent de salarié a pour ambition de faire en sorte que le recrutement dans les entreprises ne devienne plus une préoccupation, mais devienne une clé de succès. Ce que j'espère sincèrement, c'est que dans quelques années, lorsqu'on me demandera le moment où tout a changé, je vous parlerai de cette soirée. Merci. Allez, Fabrice Marsalex, je vous ai vendu ces robots, il va le faire beaucoup mieux que moi. Bonsoir. Alors, pour MTEX, le moment qui a changé s'est déroulé à peu près un an et demi après la création d'entreprise. Alors, nous avons créé l'entreprise avec une finalité, c'était de développer des petits robots d'inspection à pattes. Et donc, on a travaillé, on a développé des modèles et on a amené notre produit à un état de maturité qui nous a permis de faire un démonstrateur. Et content, on l'a eu dans les mains. On s'est rendu compte que le chemin à parcourir était très 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 long avant d'avoir un produit qui était commercialisable. Et là, on a eu la petite idée, toute simple, remplaçons les pattes par des roues. Et là, grâce à la structure innovante que nous avions développée, on a eu un petit robot extrêmement performant. Pour illustrer, 110 mm de haut, et il est capable de franchir des obstacles de 300 mm de haut. C'est-à-dire qu'on peut monter des escaliers. Et tout ça avec une architecture extrêmement simple, très basée sur la mécanique. Ça nous a permis de faire des dépôts de brevets, dont un brevet européen. Ça nous a permis de faire une vente. Ça nous a permis de faire une levée de fonds. Et aujourd'hui, de développer toute une gamme de robots d'inspection qu'on vend à peu près un petit peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, on revient aux pattes. On revient aux pattes différemment. Il y a une technologie qui se développe à grande vitesse, la fabrication additive. L'idée, et c'est le programme de R&D que nous avons, c'est dans... un an, être capable de produire directement en fabrication additive un robot à pattes, tout simple, très basique, qu'on posera sur un mur et qui pourra monter le long d'une paroi par adhérence magnétique ou tout type d'adhésion. Voilà, le projet d'Amtec, c'est ça, c'est de partir d'idées simples, de les amener à un niveau de maturité et toujours penser qu'un produit doit avoir son marché en face. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, nous avons réussi à nous développer, que notre entreprise est pérenne. Je vous remercie. Bravo. Ils sont deux, ils ont besoin de deux micros. Ce sont les derniers candidats à cette très très belle soirée. Que des belles histoires et voilà la dernière. Gauan deneri, arrogira hemen izatea zuen artean, eta gure herrialdea gora ere mateko.
Bonsoir à tous, nous sommes très heureux d'être parmi vous ce soir et de représenter les Pyrénées-Atlantiques. Voilà, nous sommes dans les années 70. Un groupe d'amis se demande comment participer à la création d'emplois en Pays Basque, comment participer au développement économique du Pays Basque. Eh bien, ils ont mis la main à la poche et puis ils ont créé une société. Et ce sont les premiers actionnaires de Socoa. Et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va faire du négoce. On est à la frontière franco-espagnole. On a des produits manufacturés en Espagne. On va les distribuer en France. Quand c'est que tout ça a basculé ? Eh bien, quand Socoa a décidé de fabriquer ses propres sièges, toujours à Hendaye, à côté de la Bidassoa, dans un petit atelier. On a démarré avec un petit atelier de couture, de découpe, des tapissiers, des couturières, voilà. Et cette aventure humaine continue encore aujourd'hui, 27 000 mètres carrés, sur la zone industrielle des Joncos. Voilà. L'autre moment important, c'est 2009 et la crise. En 2008, on réalise la meilleure année à l'époque de Socoa en termes de vente. Et le 2 janvier 2009, du jour au lendemain, moins 20% de commandes. Alors cette crise, bien sûr, si on est là, c'est qu'on l'a traversée, qu'on a su rebondir. Comment on l'a fait ? Déjà, ce qu'il faut souligner, c'est qu'on l'a fait sans aucun licenciement, sans aucun impact social, grâce à notamment un accord d'annualisation sur le temps de travail. Mais surtout, on a cru en nous. On a investi massivement dans le personnel, dans la formation, dans l'outil de production à Hendaye. Et à ce sujet-là, on tient à souligner et à remercier à la fois la région Nouvelle-Aquitaine et BPI pour l'accompagnement. Et le bilan de tout ça, quel est-il ? C'est qu'en 2016, 2017, 2018, on a retrouvé et dépassé notre niveau d'activité d'avant-crise. Et surtout, on en est particulièrement fiers, c'est que ces dernières années, on a embauché et créé 40 emplois pérennes localement. Bravo. Je crois que vous pouvez les applaudir toutes et tous. 12 histoires, 12 entreprises, 12 très beaux parcours qu'on a réunis ce soir avec BPAK et nos journaux associés. Messieurs, on peut vous demander de rejoindre la salle. Alors, j'aimerais pas être à votre place parce que vous allez pouvoir voter. Vous avez tous un petit flyer, ils ont tous un numéro. Vous avez maintenant entendu les histoires. Le problème, c'est que vous pouvez voter que pour un seul. Donc, il va falloir choisir, ma chère Sandrine. Il faut choisir. Donc, le téléphone, donc on vous l'a dit tout à l'heure, c'est le 06 44 64 99 25. Ça, c'est celui pour voter. C'est pas celui de Sandrine. Je dis ça pour Monsieur Grandjean. Donc, 06 44 64 99 25, Sandrine. Voilà. Vous tapez 1 pour les établissements Martin, Jean-Luc Ballet. Alors on continue. Julien Dubec, Mécadac Group pour l'Island. 3, Atulam et Xavier Lacran. Olivier Pelletier, ses magnifiques engins utilitaires électriques, Goupil Industries, Lot-et-Garonne. 5, Jeannette Guinaudeau, l'espace investissement. À quoi c'est, Stéphane Gilbert, son super speech de tout à l'heure. Le 6. Le 7 pour Berkem avec Olivier Failly. Patrick Grandjean, on y revient, monsieur Grandjean, je plaisantais tout à l'heure. Adial. C'est le numéro 8 quand même. Tout à fait. Pour le numéro 9, c'est le groupe GT, Michel Éric Sarah. Tout à fait, représenté par Michel Sarah ce soir. Le numéro 10, Starpack avec Julien Badre et sa belle histoire. Et puis le 11, c'est Fabuleux Robot, c'est Fabrice Marsalex. Et le 12, ils ont terminé en basque, c'est Socoa avec Jean-Michel Barre et Timothée Haché-Guit. Voilà. Et puis maintenant, on va vous demander d'applaudir deux numéros 1, puisqu'on va accueillir, ma chère Sandrine, les deux responsables des entreprises à qui on doit cette soirée. Il s'agit donc de Olivier Girolami pour le groupe Sud-Ouest et Jean-Pierre Levaillé pour la direction de la Banque Populaire Atlantique. On va vous donner des micros, excusez-moi Sandrine, voilà, à chacun ça sera bien. Je vous laisse démarrer ma chère Sandrine. Voilà, écoutez quelle belle soirée. Je voulais connaître un petit peu votre ressenti et puis surtout pourquoi Sud-Ouest s'investit autant dans l'activité économique en Nouvelle-Aquitaine. Mon ressenti, c'est, je crois comme vous tous, je suis bluffé par ce qu'on a vu comme pitch et comme démonstration, à la fois des histoires d'entreprise, des histoires économiques, des histoires humaines, des histoires de rencontres.
Et moi, je trouve ça absolument passionnant et ça me conforte dans l'idée que Sud-Ouest est et doit être un médiateur de la vie économique sur la région. À la fois parce que nous, Sud-Ouest, nous sommes une entreprise et nous sommes le premier groupe média et de communication de la région. Avec, on est acteur dans de nombreux secteurs, mais je vais peut-être en citer trois. On est acteur des territoires, on est acteur de la proximité des territoires, c'est très à la mode. On a quand même plus d'une trentaine d'implantations dans toute la région. On a des porteurs qui vont porter les journaux le matin à des abonnés, y compris dans des zones extrêmement lointaines. Donc on est acteur du territoire. On est bien évidemment acteur du marché publicitaire, puisqu'on fait plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires sur ce domaine-là pour les annonceurs nationaux et pour les annonceurs locaux. Et puis on est acteur du digital, puisqu'on est le leader des audiences digitales sur la région avec 35 millions de visites par mois et 150 millions de pages vues. Et puis on essaye modestement d'être acteur des startups via notre incubateur et notre accélérateur. Mais on est, en tant que média, on a le devoir d'informer sur l'économie et de promouvoir cette belle région et les entreprises qui réussissent. C'est ce qu'on fait au travers des Aquitains de l'année, c'est ce qu'on fait, je l'espère bien, dans nos colonnes et sur nos sites internet et nos applis mobiles, et c'est ce qu'on fait aussi en produisant ou en co-organisant des événements qui vont s'adresser aux chefs d'entreprise, à la vie économique, soit de manière thématique sur l'immobilier, sur la santé, bientôt on fait quelque chose sur l'intelligence artificielle, mais nous sommes là pour mettre en rapport des chefs d'entreprise avec un public, des chefs d'entreprise entre eux, des tissus économiques régionaux différents. Nous sommes un média au sens étymologique du terme, mettre en relation et promouvoir cette magnifique économie de cette belle région. Merci Olivier Girolami. Deux précisions pratiques. Un forum santé et avenir qui lui va parler des territoires, effectivement organisé d'ailleurs avec le relais de partenaires dont la région Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on embrasse encore cette fois le territoire de cette nouvelle région. Il y a d'ailleurs des suppléments qui sont à votre disposition quand vous repartirez, c'est les 7 et 8 février. Olivier Girolami en parlait, on vous donne rendez-vous aussi le 19 mars en gare 14, une journée sur Naya, très joli prénom pour dire Nouvelle-Aquitaine, intelligence artificielle, j'arrête là, le prosélytisme. Bonsoir, monsieur le directeur général. Ravi de participer une nouvelle fois à une de vos premières prises en parole publiques, puisqu'on a eu un petit message, une petite pensée pour monsieur Garnier, que vous avez remplacé il y a peu. J'ai une question, Jean-Pierre Levaillé, sur le rôle de BPAK, justement, sur ce territoire Nouvelle-Aquitaine. Quel est-il ? Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc, effectivement, j'ai le plaisir de remplacer Dominique, qui est un ami à part entière. Et donc, moi, je suis très heureux de répondre à votre question et surtout très heureux de souhaiter la bienvenue dans nos locaux à tous les chefs d'entreprise présents ce soir et toutes les autorités, si je puis dire, les élus de cette belle région. Alors, en ce qui concerne la région, je crois qu'on a été un petit peu par anticipation, on va dire ça. On a été par anticipation puisqu'on a créé avec le président, avec Bernard, et je crois que ça a été une belle aventure, et c'est une belle aventure. On a créé cette banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique il y a quelques années. Donc maintenant, nous sommes sur un territoire que vous connaissez bien, qui est la Nouvelle-Aquitaine, avec un petit bémol, mais puisqu'on a 11 départements et non pas 12. Donc je crois qu'on a su anticiper. En tous les cas, c'est mon avis, c'est mon point de vue, et je pense qu'en tant que récemment arrivé dans cette région, je l'ai bien identifié comme tel. Et puis je crois aussi qu'on sait s'adapter. Alors je crois qu'on sait s'adapter tout simplement parce que j'espère en tous les cas qu'à travers tous les chefs d'entreprise ce soir, on sait accompagner les chefs d'entreprise dans leurs projets, que ce soit des projets nouveaux ou que ce soit des projets plus anciens. Alors j'ai entendu ce soir à travers les chefs d'entreprise des projets modernes, des projets digitaux, mais aussi des projets liés à l'économie un peu plus rustique et un peu plus ancienne. Je pense qu'il y a des projets pour tous. Je crois en fait que l'économie ne se résume pas au digital, ne se résume pas à des nouvelles technologies, même si l'innovation reste et devient nécessaire. C'est aussi nécessaire pour la banque, et sachez qu'on sait s'adapter. C'est ça que je voulais vous dire, c'est-à-dire qu'on sait, je crois, anticiper, puisqu'on a créé cette nouvelle entreprise, on sait s'adapter, et puis j'allais dire que de plus en plus, je crois qu'on sait être agile, et ces 3A dont je viens de vous parler, ça s'appelle le triple A. Voilà un petit peu dans la finance comment on peut relier le simple à la finance et les entreprises à la finance, être capable d'anticiper, être capable de s'adapter et puis être capable d'être agile, parce que dans la banque, on sait aussi être agile, on sait aussi prendre des décisions rapides. Je crois que c'est ça que ça veut dire. Donc,
Voilà ma réponse, mon cher. Merci beaucoup, Jean-Pierre Levaillé. On peut vous applaudir pour ce dynamisme. Je vous propose, puisqu'on parlait d'agilité, de réactivité, messieurs, que vous puissiez annoncer et accueillir le vainqueur du prix coup de cœur. Voilà, puisqu'on va le... Il y a le prix coup de cœur maintenant, et après c'est Alain Rousset qui viendra nous annoncer le prix du vainqueur de la soirée suite au travail du jury. Mais normalement, nous sommes prêts, si la technique nous dit oui, à annoncer le nom, voilà. Jeannette Guinaudeau. Et bien tout le monde a voulu mettre en avant la seule femme de cette soirée. On va lui trouver un micro, et Jeannette. Bonsoir. Merci. J'avais dit qu'il y avait une bonne équipe de rugby, mais il y a aussi des bonnes chefs d'entreprise, finalement, à La Rochelle. Avancez-vous là, Jeannette. Et on va vous mettre tous les deux, si vous voulez, messieurs les directeurs, de chaque côté de Jeannette pour la remise très officielle. Voilà. Et un mot, bien sûr. Jeannette, juste une question. Est-ce que vous pensez, je vais être provocateur, que vous avez gagné parce que vous êtes la seule femme ce soir? Alors, j'allais le dire, si Stéphane, vous n'aviez pas... Alors, quel est votre avis? Bah, j'en ai bien peur et c'est ce qui me navre. Donc on va revoter. Mais même si je suis ravie, parce que au moins ce prix va permettre de porter, je vais porter en tout cas ce prix pour inciter les femmes à oser, à être entrepreneuses, à avoir de l'audace, car quand on le décide, tout est possible. Et dans ce prix, il y a une petite partie parce que je suis une femme, mais je sais aussi qu'il y a une partie pour mon parcours. Et ça, je peux en être fière et j'en suis fière. Et c'est mon histoire. Juste, Jeannette, une précision, voilà. Parce qu'elle était pudique tout à l'heure. Dites-nous ce qui est votre début de parcours et votre premier métier. Oui, alors je vais vous le dire. Moi, j'ai fait HEC, mais j'ai fait des hautes études de coiffure. Car je suis ultra diplômée en coiffure. Et j'ai changé de parcours. En fait, c'est mon point commun avec Fabrice Lucchini. Très bien. La coiffure. Vous êtes bonne actrice aussi. J'ai remarqué plusieurs fois. Merci. Merci beaucoup, Jeannette. Merci. On l'applaudit. Messieurs, vous pouvez regagner la salle. Merci beaucoup, nos deux directeurs respectifs. Merci. On vous rappelle tout à l'heure. On va tout de suite accueillir, parce que c'est quand même le moment crucial, même si on est ravis de cette victoire. On l'a salué, il est arrivé tout à l'heure. On sait qu'il avait une très grosse journée. Sandrine me disait même que sur Twitter, il était à Limoges il y a peu. Attends. Alain Rousset, mesdames, messieurs, sous vos applaudissements. Bonsoir, monsieur Rousset. Bonsoir. On va vous faire venir quelqu'un que vous connaissez un tout petit peu, je crois. Donc vous connaissez très bien, qui a été le vainqueur de l'année dernière, Stéphane Lull. Mais avant de faire la révélation, parce qu'on veut maintenir le suspense, bien sûr, plus intensif. Non, puis on veut profiter de la présence d'Alain Rousset aussi, c'est voilà, pour ça. Exactement. Donc, monsieur Rousset, vous avez un parterre de chef d'entreprise. Je sais qu'aujourd'hui, vous trouvez et vous vous impliquez et vous précisez beaucoup de plans d'action autour de l'environnement, de la transition énergétique. Je sais que c'est des projets que vous portez au niveau de la région. Alors, aux chefs d'entreprise, vous avez envie de leur dire quoi sur cette thématique ? D'abord, j'ai envie de dire que je partage et j'estime beaucoup les discours où on met l'homme, la femme en avance. Hein ? Ce qu'on a réussi à démontrer avec l'industrie du futur, avec la reconstruction des usines, c'est que la productivité et la compétitivité, ça démarre d'abord par les hommes et les femmes qui travaillent dans l'entreprise. Donc je veux saluer ce qui a été dit par M. Grandjean, par tous les chefs d'entreprise, par Michel Sarrat, etc. C'est important de faire remonter ce message. Et dès le début de la soirée, tous les intervenants ont parlé. Non, mais de parce que les discours qu'on entend là-haut, Quand vous dites là-haut, on peut préciser, M. Rousset. C'est pareil. D'accord, ok. Pareil. Sur l'environnement, je crois. Alors, l'environnement, c'est très large. On a parlé tout à l'heure de biosourcing. On est en train de travailler avec des laboratoires pour créer du composite biosourcé. On est en train de travailler avec Michelin pour travailler sur du butadiène biosourcé, qui est la base de la création des pneus. Et il se trouve que par hasard, on avait un déjeuner cette semaine avec le Premier ministre du Québec et j'étais à côté d'un des représentants de Michelin. On a reparlé de ça. Et donc c'est un avantage, enfin, c'est le jour où Stéphane pourra récupérer des matières premières à partir de biosourcing, la cellulose a bien fait des poudres à explosifs.
Et c'est du carbone sur pied. Alors après, il faut qu'on progresse et qu'on soit... Et l'environnement, je crois qu'on a bien conscience aujourd'hui que si on ne change pas de paradigme en matière de développement, on va tout massacrer. Et je pense pour ma part que la France doit être exemplaire. Vous savez, on s'interroge beaucoup, est-ce qu'on est exemplaire parce que là-bas on va produire moins cher, même le bio, etc. Je crois qu'on doit être exemplaire parce que c'est comme ça qu'on s'imposera après ce plan économique et la clientèle. Et je suis persuadé que la révolution, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit du biosourcing, qu'elle soit tout ce qui tourne autour de l'environnement comme matière première, mais aussi comme nouvelle façon de vivre, cette révolution-là est aussi importante que le numérique. Est aussi importante que le numérique. Quand je regarde sur l'agroalimentaire, ce qui est en train de se passer peut être soit prodigieux, si nous le prenons en compte, soit alors ça va être une catastrophe demain. Quand on regarde les évolutions de nos concitoyens, les plus jeunes, mais pas que, et donc là, on a vraiment ensemble à créer une démarche qui va s'appuyer aussi sur la recherche. Hein. Là, j'ai rencontré une entreprise là, qu'on a fait descendre de NormalSup à Paris, qui travaille sur les microalgues pour traiter le mildiou et l'oïdium des vignes. Si c'est nous qui le faisons, on est les rois du pétrole, si j'ose m'exprimer ainsi, du pétrole vert. Il a tout préparé. On avait de la chimie verte tout à l'heure, donc c'est bon. Un petit mot quand même sur cette transformation, cette révolution. Vous parlez du numérique, elle s'impose à nous tous. Et les chefs d'entreprise qui sont là, ils ont témoigné, ils ont tous embrassé le numérique parce que c'était le point de sauvetage obligatoire. Mais nos PME n'ont pas toutes... Si vous voulez, le modèle industriel français, et c'est pour ça qu'on ne réindustrialise pas, et c'est pour ça qu'on essaye, moi j'essaye de foncer là-dessus, ça suppose que nos PME deviennent des ETI, qu'il y a une classe moyenne d'entreprise dans ce pays. Or, la centralisation s'y oppose. Parce que le dialogue entre Bercy se fait avec les grands groupes. Un Länder allemand a 3 fois plus de moyens à destination du monde économique qu'une région française. Même si nous, on est un peu différents des autres par les moyens que l'on met, ou le décloisonnement que l'on met entre la recherche, l'innovation, la R&D, la formation et les entreprises. Mais voilà, ça ne s'explique pas autrement. C'est simple. C'est on va saluer d'ailleurs le club ETI qui est là, parce qu'ils sont nombreux, et on peut applaudir toute la dynamique du club ETI qui est piloté aussi à travers la région et la CCI. Je crois que vous pouvez vous applaudir, vous êtes nombreux dans les ETI. Et il y en a un qui est parmi nous. Stéphane, vous avez le micro. On va lever le voile sur le nom du vainqueur avant que vous lui transmettiez très symboliquement ce trophée qu'il transmettra, j'espère, l'année prochaine encore une autre personne. Dites-nous ce que ça a changé. Vous le dites avec beaucoup d'émotion. Moi, je me rappelle ici, dans cette salle l'année dernière, la scène était un petit peu plus loin, mais vous aviez une réelle émotion. Il y avait même des membres de votre famille qui pleuraient. Hein ? Non pas parce qu'ils étaient jaloux, mais parce qu'ils étaient ravis que vous ayez gagné le prix. Bah oui, parce que l'année dernière, ça a été les 30 ans. Donc pour nous, c'était un symbole assez formidable de recevoir ce prix au moment de nos 30 ans. L'entreprise a été très développée à l'export. Et paradoxalement, ce prix a permis de consacrer une reconnaissance territoriale. Et effectivement, depuis quelques années, on travaille beaucoup, beaucoup, finalement, avec la région Nouvelle-Aquitaine à l'échelle de cette nouvelle région. Depuis 2012, on a vraiment, vraiment mis le paquet. Et on a développé des réseaux de partenaires PME. Donc, on pensait à notre entreprise, mais on pensait à tous nos amis, parce que je pense qu'on a gagné beaucoup, beaucoup d'amis hein, depuis qu'on a mis en place ce réseau. On a gagné beaucoup d'amis autour de nous, dans notre écosystème. Et ce n'était pas forcément le cas précédemment. Donc, je pense que ce prix a... consacré, il y avait de l'émotion parce que quand même c'est aussi des moments difficiles dans une entreprise et on n'est pas forcément dans une période actuellement la meilleure, mais c'est 30 ans d'investissement, on parle de l'humain, chez nous l'humain est excessivement important, je pense que c'est une finalité et on est une entreprise un peu sur nous les Allemands, les Italiens, les Japonais, on les côtoie, on les connaît, on est plus connus peut-être sur vos clients. Voilà, on connaît très bien l'international, on fait 85% à l'export. Et puis depuis peu, ben, notre territoire, c'est la Nouvelle-Aquitaine. On porte le drapeau de la Nouvelle-Aquitaine. Ce prix l'a consacré, mais ça nous a encouragé à décupler.
On a multiplié par 3 nos achats et nos dépenses en Nouvelle-Aquitaine sur la période 2014-2018, donc c'est assez phénoménal. Et tout ça, c'est parce qu'on fait avec d'autres des choses. Et je crois que le mode collaboratif est devenu chez nous quelque chose de très important. On le faisait déjà autour de la R&D, mais maintenant on commence à le faire avec ce réseau de PME qu'on essaie de faire grandir, parce que nous, on a besoin d'eux pour grandir, et eux, ils ont besoin de nous. Et je trouve assez formidable ce mouvement. Et franchement, ce prix a consacré cet effort que nous avons fait et que la région a soutenu. Et on est assez heureux. Et puis je suis vraiment impressionné par le renouvellement perpétuel de découvertes d'entreprises qu'on ne connaissait pas. Encore ce soir. Et ce réseau, il faut l'agrandir. Quoi. Il faut continuer à le cultiver, à l'agrandir. Parce que quand je vois toutes les entreprises, je n'ai qu'une idée en tête, c'est qu'on pourrait faire des choses ensemble. Voilà. Tout à fait. Alors, je crois qu'on peut saluer Stéphane Lull. Et puis, on sait que ce type de soirée permet de révéler, de pouvoir que vous vous connaissiez, parce que cette Nouvelle-Aquitaine, elle est grande. Et je pense que ce soir, plein d'entreprises de tous les départements ont pu trouver des activités qu'ils ne connaissaient pas, qui se trouvent sur notre territoire, et de pouvoir encore la faire mieux émerger, et pour être plus fort, et après, aller à l'international. Alors justement, qui va émerger ce soir? Je vois qu'Audrey a une enveloppe, le nom est dedans. Monsieur le Président Rousset, avec Stéphane Ulule, futur ex-lauréat qui va transmettre le flambeau, vous allez nous annoncer le nom du vainqueur. Alors, il y a... Alors, le vainqueur qui va succéder à Ypsilon Composite et Mécadac, Julien Dubec. Sous vos applaudissements. Bravo. Il vient des Landes. Il vient des Landes et des États-Unis en même temps. Juste, Alain Rousset. Fait... Alors, Alain Rousset, un mot avant qu'il prenne la parole. Avant qu'il prenne la parole, un mot sur cette entreprise et ce parcours. D'abord, il a quelque chose à voir avec Pessac. Donc, Bon, ben, rendez-vous dans une heure. non, pas du tout. Pas du tout. Dites-nous pourquoi, mais allez-y. Mais non, parce que je l'ai visité l'année dernière. D'accord. Donc ça lui a porté chance. Et je ne sais pas, hein, d'ailleurs. C'est pour ça que je ne vais plus au match, moi, parce qu'on ne sait jamais. Quoi. Mais non, c'est une très, très belle entreprise dans un secteur qui est à la fois traditionnel, où il a complètement innové ses process, où il y a une ambiance du feu de Dieu. Et donc, c'est agréable de visiter. Et puis, l'ouverture à l'international est aussi... Bon, allez-y. Julien, un mot. Ce trophée, une réaction, et vous allez le mettre où? Sur un bureau aux États-Unis ou sur un bureau dans les Landes? Non, dans les Landes. Non, il ne va pas voyager. Eh bien, écoutez, un grand merci pour la reconnaissance de Mécadac. Je crois que c'est... j'ai peut-être pas eu le temps de le dire en deux minutes, mais c'est un vrai projet d'équipe. J'ai donc repris une petite société familiale avec des gens qui m'ont vu en culotte courte et qui sont encore là aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de les célébrer quand le président était là l'année dernière. J'ai eu deux collaborateurs qui avaient 40 ans d'ancienneté, c'est rare aujourd'hui. Et puis il y en a depuis qui m'ont rejoint, qui ont quitté des grands groupes de renom dans l'aéronautique et qui ont rejoint un projet Mécadac. Donc c'est une très belle histoire humaine de 20 ans, mais un peu plus au niveau de Mécadac avant toute chose. C'est aussi une belle histoire internationale et de grands moments de solitude quand on part de l'autre côté de l'océan et qu'on se met à trouver un bâtiment, à acheter des machines alors qu'on est tout seul et qu'on fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Dites-nous le prochain projet très concret qui vous attend sur cette année 2019. Sur cette année 2019, on aimerait bien que Airbus, en direct, puisse faire confiance à Mécadac. On a leur filiale numéro 1 qui est Stelia. Mais on attend avec impatience qu'Airbus passe le cap de nous solliciter au-delà des appels d'offres. Stéphane peut vous apporter. Eh bien voilà, on va faire du réseau ce soir. Boeing l'a bien fait, donc on attend avec impatience Airbus. Je vous propose tout de suite que Olivier Gironami et Jean-Pierre Levaillé nous rejoignent pour conclure cette soirée, faire la photo de famille. Et on rejoindra après tous les nominés, tous les partenaires sur le podium. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un petit mot, s'il vous plaît, des deux co-organisateurs pour conclure cette soirée. Qui se lance le premier, d'Olivier Gironami à Jean-Pierre Levaillé, pour finir cette soirée en beauté? Écoutez, moi j'étais ravi de tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu. J'ai été bluffé par votre histoire et votre implantation aux États-Unis et la manière dont ça s'est fait. Et j'ai toujours, moi aussi, par mon passé un peu international, toujours beaucoup d'admiration pour les entreprises qui exportent et qui s'implantent à l'international. Et je trouve que aussi, puisque c'est la troisième édition de cette...
cette cérémonie pour, sur l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Je crois qu'on a à la fois le format, le rythme, la légitimité, la crédibilité et la continuité. Donc je suis vraiment hyper confiant pour que cette belle cérémonie ait many happy returns, comme on dit aux États-Unis. Merci Olivier, Jean-Pierre Levaillé pour le dernier mot. J'aimerais bien que Christian Chapotin nous rejoigne, c'est une cheville ouvrière que de premier rang. Ça nous ferait plaisir, Christian. À côté de votre directeur général, merci pour vous. Je pense que ça pourrait être Christian qui pourrait faire la conclusion. Il est très bon pour les conclusions, je vous le confirme, monsieur Levaillé. D'accord, je sais. Et puis en plus, que, comme il est à l'origine de ces 27 années, on peut l'applaudir, puisque grâce à lui, nous sommes là ce soir. Il avait 20 merci ans. Merci, Christian. Il a eu 20 ans. Ouais. Merci. Moi, je vais vous dire un petit mot, tout simplement. Je suis très heureux parce qu'effectivement, ce sont des chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise que vous êtes ici présents, vous êtes nos clients. Nous sommes vos partenaires. Nous sommes un partenaire pour vous accompagner dans les moments, j'allais dire, d'investissement, dans les moments de difficulté aussi. Parce que quand on a une entreprise, chacun le sait, il y a quelquefois des moments de solitude, des moments de difficulté, et un banquier est là pour vous accompagner. Alors je sais que de temps en temps on a quelques critiques sur ce sujet-là, mais j'ose vous dire que la Banque Populaire est capable de vous accompagner, y compris dans tous les grands moments de votre vie d'entrepreneur. Je voulais aussi vous dire que, en ce qui nous concerne, en tous les cas, et on l'a vu ce soir, nous avons donc des, je reviens sur ce sujet, des entreprises qui font de l'innovation, et c'est très intéressant, bien entendu, dans notre contexte d'aujourd'hui, mais il y a aussi l'économie plus, j'allais dire, plus traditionnelle, qu'il ne faut pas oublier, et en ce qui nous concerne, bien entendu, en tant que banquier, nous privilégions aucun de ces domaines. C'est, nous sommes les partenaires, nous sommes les financeurs de l'ensemble des activités du monde industriel, de services, etc. C'est ça que je voulais vous dire. Et puis de me réjouir que ce soir, vous êtes nombreux et que c'est l'occasion probablement d'avoir des relations, peut-être créer un réseau. J'ai compris que déjà sur la scène, il y avait deux chefs d'entreprise qui pouvaient avoir une relation de proximité pour développer leur business. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite, c'est développer le business, développer les relations et développer le partenariat avec des banquiers qui sont là pour vous aider et vous accompagner dans votre cycle de vie professionnelle. Merci. Vos applaudissements. Merci.